Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 4 de Alien Isolation. J'ai du mal à parler dès le début. Donc, vu que comme je vous ai dit dans le dernier épisode, j'ai tout fait dans la foulée, on a récupéré un détecteur de mouvement et maintenant, si je me rappelle bien, on va encore trouver le système de comms, contacter Verlaine et le Torrens. Voilà. On a déjà notre réponse. On va visiter un peu. Déjà mon objectif il est par là-bas. Je veux surtout savoir s'il y a du monde dans les parages. Pour concentrer la vue. Attends. Ah ouais, ok. Ah c'est sympa. Hop. Je trouve qu'ils auraient dû dire tout dès le début quoi, parce que je sais pas combien de fois moi je regarde. Je l'ai pas vu lui. Je sais pas combien de fois j'étais comme ça là et je voyais rien en face de moi. Et si je l'avais su tout à l'heure, j'aurais fait pareil quoi. C'est dommage qu'ils aient fini le jeu à la pisse. Je sais pas s'il faut aller par là-bas, c'est quoi pour le moment, ils nous ont rien demandé. Je vais aller ici vite fait voir parce que souvent dans ce truc, elle est dans les conduits. Ah j'ai dû voir ce petit trophée là quoi. Il doit y avoir des trucs là. Image de la caméra désactivée, purification de l'air désactivée, et c'est tout ce qu'il y avait. Comme ça au moins ils me font pas chier. On va voir qu'est-ce que j'ai pas visité là. Oh bah ben, c'était là quoi. J'ai envie de dire what the fuck. Alors chercher détecteur agent collant. Tapis. Ah non, c'était ça. Pourquoi faut le pirater? Ça. Une espèce de voile à l'envers et la crossbar en bas, la crossbar en bas là. Voilà. Bah vas-y. Accueil du Torrens. Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrens. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Partager erreur, réparation, ok. Utilitaire, y'a rien. Audio. Ici Verlaine du Torrens. C'était quoi ce bordel? Sébastopol? Est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ah, ça sent pas bon. Ici Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS. Et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. Ok. Donc c'est le bordel des deux côtés, si j'ai bien compris. C'est bien, ça nous a appris un peu quelques trucs, celui-là, pour une fois. Parce que souvent ça sert pas à grand chose je trouve ces trucs, mais là pour le coup j'ai bien aimé. Donc ça on l'a déjà fait le remontage. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça.
Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Trouvez un autre terminal de communication. En fait, pour l'autre épisode, j'avais juste à tourner à gauche et on aurait fini la mission, quoi. Qu'on devait faire depuis le début. J'imagine qu'il faut y aller en mode je ne suis pas là, medikit, carré pour activer. Ok, ça m'a refilé que la moitié de ma vie. Vu qu'il y en a deux, je préfère en utiliser carrément deux. Hop. Comme ça on est sûr, je vais en fabriquer. Je crois qu'ils ont un sérieux souci, ces petits robots. Donc là, ça c'est pour se cacher. Réactiver la communication de Samuels. Prive. T'as raison, finis le bien. On sait jamais. Ah mais je peux chercher sur lui quelque chose. Hop. C'était pour moi à me foutre les jetons, connard. Alors, qu'est-ce qu'on peut pirater? Système de l'alarme. On désactive image à la caméra, on désactive l'éclairage, ben je me fais moins accès à la porte, on l'active. Donc ici, accès à la porte, on l'active, image à la caméra, on désactive, pour la focalisation de l'air, on désactive. Voilà. Je pense que c'est pour nous aider aussi ça en fait. Ça
utiliser L pour sélectionner des valeurs. On croit pour confirmer. Samuels, écoutez-moi. Vous n'êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Monsieur Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose. Une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Cool. Retournez pas. Communication non autorisée. Veuillez pas choper. Un membre du personnel Sixon va vous appuyer sur une vraie télé. Merde. Alors que j'aille là-bas, mais je suis pas allé ici. Tenez. Alors. Quelle opération autorisée? Ok. Partager un nom. Ok. Audio. Sébastopol, ici Nina Taylor, administratrice exécutive pour Wayland Yutani. J'accuse réception de votre transmission. Je fais partie d'une équipe chargée de récupérer la boîte noire du Nostromo. Cette boîte noire que vous détenez est d'une importance capitale pour Wayland Yutani. Sous les accords d'entreprise qui nous lient, nous vous rappelons qu'il vous est interdit d'essayer de lire son contenu, ni de révéler sa présence à un tiers. Nous serons bientôt là. Message privé à l'attention du Marshal Waits à suivre. Sympa. Il n'y a rien dedans de toute façon. On a déjà vu dans l'autre épisode. Hop, il y a quelque chose là. Ah oui. Là. Le statue. Une petite. Je sais pas à quoi ça sert. Garde, ça c'est nickel. Yes. Yep.
pas moyen de... de la bousiller, cette alarme. Il y a un autre canot que j'avais pas visité aussi, on va le visiter juste avant de partir. Donc moi je suis rentré dans... Non, non, il n'y en avait qu'un en fait. Non, il y en avait deux. Je crois que je suis pas rentré dans celui-ci. De toute façon, on va vite voir si c'est comme l'autre. Ouais, c'est dans celui-là que je suis pas rentré. Waouh. Il n'y a plus de lumière d'un seul coup. Je crois qu'il y a un type pas loin. Putain, il m'a fait peur le coup. Merde. Il y en a un plus loin aussi. Oh. Ça bouge, c'est dans la pièce d'à côté, je pense. Regarde, ils sont intelligents. Donc, par où faut se casser? Comment on fait pour remonter? Regarde, ils sont là, les escaliers. Aïe. J'allais tout droit. Ça fait chier parce qu'il y avait plein de portes à visiter là. je crois que j'ai déjà visité. Oh, pire. Non mais t'es sérieux? Ça sert à quoi de se cacher? Il y avait un escalier bien sûr comme un coup, je l'ai pas pris. C'est bien par là qu'il faut aller. Ta gueule, lâche-moi. Il y en a trop mon cul. Ah ouais, c'est pas possible. Donc ça. Ouais, il faut que j'aille par là. Ça fait chier parce que du coup j'ai pas trop le temps de visiter. En même temps, vu le peuple qu'il y a, je pense qu'il faut juste fuir. Mais là s'il me chope, je sens que je crève direct. Oh non. Non 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 non. Vite vite, par où, par où, par où, par où, par là. Oh, merde. Alors là très très vite, medikit. Plein de munitions de revolver là, ça m'intéressait. Je pense pas les avoir prises parce que là, il y a que 4. Attends, si je laisse appuyer sur le carré. Ah d'accord. C'est bon, j'ai compris comment il fallait faire en fait pour avoir toutes les munitions là. Donc là, il y a du monde, mais on était déjà venu ici, donc on s'en fout un peu. Hop, on va juste se casser. Ah, il faut tourner par là. C'était pas ouvert ça tout à l'heure.
là, lui. Non. Non, t'es sérieux? Oh, vous avez vu ça? Attendez, je suis en train de me fighter avec un robot, il y a le Link qui me saute sur la tronche. Sérieusement, quoi. On sait même plus... C'est un peu chaud. Voilà. Putain, mais faut vraiment se casser loin en fait. Replay comment fabriquer des objets différents. Oh putain, j'avais trouvé une mine tout à l'heure et j'ai complètement zappé de la ramasser. Ah, oh, fait chier. Pourquoi je suis mort? Pourquoi l'alien m'est tombé sur la gueule? J'avais ramassé une mine, quoi. Ça aurait été stylé, une mine. Tu la poses par terre, t'attends que le robot il arrive devant ta gueule et je pouf, des composants électroniques un peu partout et du jus de robot aussi. Faire la tour, ce qui m'aide. Donc je vois un truc juste à côté de moi. Je vous cherche. Ah merde, il était là. Je sais pourquoi t'es mort toi et je vais pas rester plus longtemps. Par où faut aller?
Joli lag. Ouvre-toi la porte. Plus vite que ça, s'il te plaît. Il y en a rien dans les parages. Le transit vers la tour. Ok. C'est lequel? C'est pas celui-là vu qu'il est pas vert. Ah, cette station dessert Sixon Communication Technologie. Vers tout Sixon. Vous ne devriez pas être ici. Les transits, s'il te plaît, dans la station, dans la station spatiale. Putain, on se tape des chargements là toutes les 30 secondes limite. Ah ouais, je viens de voir juste une phrase là pendant le chargement, il y a écrit des bruits de lutte peuvent faire venir les aliens. En gros, les aliens, ils viennent, on les voit presque jamais, quoi. Il y a que quand on reste trop longtemps dans une même pièce, je pense, en faisant trop de bruit. Ou sinon, peut-être pendant certains moments aussi bien spécifiques, mais sinon... Cette station dessert la maison médicale Saint-Cristobal et Sixon Synthetics. Ah, mais vous êtes vivant, vous. C'est toi, Ripley. Pousse pas. Reposez-vous dehors. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur. Et si la créature vous attaque? Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Rien d'autre à dire? Ok. Restez avec moi. Les prochains colombiaux recevront des rapports de tout abus du système ou de passagers en état d'ébriété. On est déjà venu ici, si je me rappelle bien. Dans tous les cas, j'ai pas trop besoin de fouiller, fais voir. Quand même. Ah, peut-être pas. Hop, les têtes, toi. T'es parfait. Je te kiffe. Vous savez quoi les gens, on va se laisser sur ça, comme ça ça nous fera un petit épisode, je pense, une petite demi-heure. Donc pour le prochain épisode, bien sûr, on va essayer de sauver, je crois qu'elle s'appelle Taylor. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.